Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo accompagnée de mes pierres. Je suis Mélanie Duclos, médium holisticienne depuis bientôt 13 ans et je vous propose une nouvelle prestation ce mois de mai 2023 qui s'appelle les constellations cristallines. Un nom qui m'a tombé du ciel, vous vous doutez bien, qui m'a été entre guillemets transmis par mes guides. Une prestation qui est inspirée de mon expérience, mais aussi de mes connaissances de lithothérapeute. Et mes guides m'ont dit, oh, toi qui adores les constellations, qu'elles soient familiales ou personnelles, eh bien, ce serait chouette, en fait, d'allier le cristal, les pierres, la lithothérapie à ta pratique. Et donc, c'est devenu naturellement les constellations cristallines. Alors cette appellation est un copyright. Bientôt des formations seront proposées d'ailleurs sur les constellations cristallines pour que vous puissiez vous aussi devenir praticien, praticienne en constellations cristallines si vous le souhaitez. En attendant, c'est une prestation que j'ai mise en place depuis peu et donc qui est actuellement en promo, hein, qui est à 50%, donc c'est plutôt intéressant. Je sors là tout juste d'une séance avec Monica qui m'a fait la joie, l'honneur de réserver une session avec moi et qui en est ressortie vraiment ravie. Elle mettra sûrement un commentaire plus tard. En tout cas, je me suis dit, je ne vous ai pas encore vraiment présenté, en tout cas pas en vidéo, la prestation, donc je vais le faire aujourd'hui. Alors, les constellations, c'est quoi? Déjà, le fait de consteller, c'est-à-dire de mettre en place une... vous connaissez la constellation, par exemple, céleste, hein, on va être au centre et puis autour de soi, on va faire consteller d'autres personnes, d'autres personnages ou des situations, des sentiments, des mots-clés, etc. Comment ça fonctionne? Je vais vous montrer. On va commencer la séance en se posant la question de qu'est-ce que vous avez envie de travailler, quelle est votre problématique du moment, quelles sont vos envies, quels sont vos besoins. Et puis en fait, on va consteller sur un plateau, donc ce que j'appelle le plateau personnel, qui est pour ma part un plateau fleur de vie, parce que c'est un symbole très important pour moi dans ma vie. Il est même tatoué, mais aussi parce que c'est un symbole très important de géométrie sacrée pour la lithothérapie, puisqu'elle va venir recharger les pierres. Et donc sur ce plateau, en fait, je vais proposer à la personne qui est en séance avec moi de choisir sur ce plateau-là, hein, le plateau des pierres, une pierre qui va la représenter. Alors imaginons que vous vous représentez avec le cristal de roche. Ensuite, je vais proposer à la personne de positionner, hein, tout ça se fait en zoom, hein, on ne le fait pas de chez moi, tout se fait à distance et ça va super bien. Donc la personne positionne son cristal, par exemple ici au centre, et puis ensuite, si elle me dit ben, « j'ai des soucis de communication avec mes enfants », ok, choisissez une pierre pour représenter vos enfants, ok, on va prendre celle-ci. Et donc je vais lui proposer de positionner la pierre, alors ça peut être dessus, ça peut être à côté, ça peut être loin, etc. Et donc on va travailler en fait, on va commencer à travailler les propriétés des pierres choisies et le positionnement qui va induire forcément certaines choses. Je demande aussi à la personne comment elle se sent par rapport au positionnement des pierres, souvent on les change de place plusieurs fois pendant la séance. Et alors après, elle va me dire, ben, on a du mal à s'entendre, ok, donc on va matérialiser la communication, par exemple, avec un petit, ici, une petite sodalite. Donc, je vais expliquer, la sodalite représente justement la communication, le chakra de la gorge, etc. Je donne toujours des explications par rapport aux pierres, ça, c'est intéressant aussi. Elle va peut-être me dire, j'ai du mal à me positionner, ok, le positionnement, on va le matérialiser par cette pierre qui est ici, du jaspe dalmatien, ok, ben moi je vais le mettre entre mes enfants et moi, ok. Donc le jaspe dalmatien, c'est le yin, le yang, la recherche d'équilibre. Et on va échanger comme ça, jusqu'à avoir quelque chose où la personne se sent bien. La séance dure à peu près 45 à 60 minutes, elle est enregistrée, tout se fait sur Zoom, ce qui vous permet de la revoir, la revisionner le jour même, un ou deux jours après, ou dans les semaines qui suivent, pour faire un petit peu le point. Qu'est-ce que cette séance m'a apporté? Est-ce que je me sens mieux depuis?
La séance fonctionne comme un soin, notamment grâce aux pierres qui vont renvoyer en fait leur énergie à la personne, mais aussi grâce à tout l'échange que l'on fait, parce qu'en réalité, moi je ne fais qu'accompagner vos changements. Vous allez me dire, ben tiens, là ce serait une meilleure communication, une fluidité dans nos échanges, je vais le mettre là. Ben, finalement, ça je vais le mettre là, puis ça je vais le mettre là, etc. Et c'est vous en fait qui créez votre plateau personnel et qui faites votre propre soin accompagné par les pierres, par la lithothérapie et par moi-même. Je ne vous en dévoile pas plus parce que il faut le vivre pour le comprendre, pour l'expérimenter, pour le croire, pour le ressentir et voir vraiment les changements qui peuvent être opérés lors d'une seule séance. C'est parfois même extraordinaire, voire incroyable. Actuellement, cette séance est à moins 50%. Si vous souhaitez en bénéficier, ne tardez pas. Elle passera prochainement au tarif normal, on va dire. Et d'ici la fin de l'année, seront proposées deux formations. Le premier niveau, lithothérapie, où en fait, on va vraiment revenir sur les propriétés de chacune des pierres. Et le deuxième niveau, une formation spécifique pour les praticiens, praticiennes en constellation cristalline. Donc, pour les personnes qui seront déjà lithothérapeutes, vous pourrez passer déjà tout directement au deuxième niveau. Et pour les personnes qui n'y connaissent rien en pierre, eh bien, vous commencerez par le premier et vous arriverez ensuite, si vous le souhaitez, au second. C'est vraiment un outil très, très enrichissant dans la pratique. Si vous êtes thérapeute, si vous souhaitez le devenir, si vous êtes médium, voyant, énergéticien et que vous avez envie de compléter en fait la gamme de vos prestations, c'est quelque chose que je pourrais vous proposer ultérieurement. Pour l'instant, je ne propose que les prestations, le temps de mettre en place tous les protocoles, les dossiers, les fichiers, et c'est un énorme travail, surtout pour la lithothérapie, et de proposer ultérieurement les formations. Dans cette attente, vous avez donc mes consultations personnelles qui sont proposées. On est ensemble, en Zoom, c'est intime. Ce sont des séances qui restent privées, bon, sauf si vraiment vous souhaitez les diffuser, mais souvent c'est quelque chose qui est plus cocooning. Et donc, c'est vraiment de vous à moi, sans aucun jugement. Je viens juste poser les pierres et je vous dis, est-ce que tu veux la mettre là, là, là? C'est vous qui menez la danse. Et moi, je ne suis là que pour vous accompagner, avec toute ma bienveillance et tout mon amour. Si vous avez envie d'en profiter, direction ma boutique melaniemedium.wix.com. Et si vous souhaitez découvrir, eh bien, je vous laisse profiter de cette promo pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Vous pouvez aussi arriver sans intention particulière en disant « moi, je veux juste découvrir la technique, je voudrais voir comment ça marche ». Vous inquiétez pas, on trouve toujours quelque chose sur quoi travailler. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, à très vite.